Bonjour, je suis Monsieur Fowling Love René, concepteur développeur informatique. Aujourd'hui, nous allons étudier les cellules et les tissus. Tous les êtres vivants sont constitués d'éléments microscopiques auxquels on donne le nom de cellules. Les êtres vivants les plus simples sont composés d'une cellule. On leur donne le nom d'êtres unicellulaires. Exemple, l'amibe. Mais, au fur et à mesure que l'on s'élève dans l'échelle des êtres vivants, la complexité des organismes et par conséquent, le nombre de leurs cellules constitutives s'accroît. Ce sont les êtres pluricellulaires. À titre d'exemple, l'être humain est formé par la juxtaposition de plusieurs milliards de cellules.